Ah ouais, j'aurais bien mangé un tacos double viande là. Ça y est, il a pris goût. Rappelle-moi, ça fait combien de temps que t'es arrivé à Lyon? 4 mois. Ok. Et tu manges des tacos combien de fois par semaine? 4. Dans la bûche. Alors commencez pas avec vos tacos tout grains. De toute façon, on avait promis à Bellone d'aller le voir jouer. Il a un match de basket, vous êtes toujours chaud? Ouais, mais toujours chaud. En plus, j'ai vu à côté de son gymnase. Il y a quoi? Il y a un tacos. Donc tu peux faire ton rabat, je vois si tu veux. Je vais quand même prendre mon tacos. C'est quoi? T'as déjà oublié les boquettes? Ah ouais, t'es déjà devenu un rallyonnais comme ils disent. Si mal. On est là. Trois grands gars là dans une voiture. C'est quoi la question qu'on t'a le plus posée dans ta vie? Quoi, t'es noir, tu dois avoir une grosse bite? Non, ah ouais, l'autre. Ah, tu fais pas du basket toi? Ouais. Je réfléchissais à ça là. On aurait dû faire du basket les gars. Comme ça, ça nous aurait aidé hein, avec les choux. On est grand, on est noir, on est antillais, et tu veux rajouter basketteur. En fait, c'est quoi? Tu veux vraiment qu'on ait une grosse étiquette charo collée sur le front? Pourquoi pas? Ouais, tu recommences fort hein, là. Mais vas-y, moi je me mets pas de vos affaires, hein. Je m'en fous. Fantasmez sur vos basketteurs, s'il vous plaît. Nos basketteuses, tu veux dire. Quoi, les grandes lesbiennes, la Z? Ouais. Elles ont pas besoin de toi, wesh. Elles se suffisent. Moi, j'avoue, dans Georges, je kiffe bien les handballeuses, hein. Avec leurs longues jambes musclées, ouais. Leurs petites... Moune. Lesbienne. Tu vois, je rigole avec toi. En vrai, ce que je kiffe, c'est les tennis women. Petite visière sur la tête. Ah ouais. Petite mini-jupe. Sexy, mais sérieuse à la fois. Parfait ça. Ouais. Moi, vous savez ce qui m'a fait kiffer? C'est de savoir si je tiens en route avec une boxeuse. Vous savez, par rapport au cardio, les gars. Franchement, je te mens pas. C'est des filles qui font un sport de pélo, donc je pense qu'elles sont très dominatrices. Même pas besoin de cardio. Ouais. Ah, mais en vrai, quand on y pense, être dominé, ça doit être un délire. Hein. Imagine une meuf qui fait du taekwondo, grande, 1,80. Athlétique, brune, regard intense. Mais gars, on va pas toutes les faire quand même. C'est bon. Non mais c'est vrai, on abuse, rien que ça parle de meuf. Ah bah ouais. Nous on change un peu de sujet. Et tu veux parler de quoi? Moi je sais pas, hein, les filles j'aimais bien. Ouais, les filles, t'aimes bien. Mais elles te kiffent pas tant que ça en vrai. Qu'est-ce que tu racontes, wesh? Tu te souviens pas la meuf à la soirée de Brahim là? Qui t'a pris pour un misogyne? Vas-y, elle. Ah, j'avais oublié ça. comment elle faisait déjà? Moi, je me casse parce que la misogynie, ça va deux secondes. Vas-y, wesh. Frère, t'as vu, tu sais quoi? Elle avait laissé traîner ses grosses oreilles de maquerel là dans la conversation, elle avait rien capté. Ah, ouais. J'étais en train d'imiter un gars en fait. Mmh. Et elle est venue en mode. Vas-y. Fausse féministe, wesh. Féministe après deux bières, wesh. Féministe de soirée. Ouais, ma petite féministe, vous l'avez laissé partir tout à l'heure. S'en fout, ouais. Je suis sûr qu'elle était poilue de toute façon. De même si. Et bref, les gars. Et vous regardez quoi en ce moment comme série? Ouais, la dernière que j'ai vue, c'est une petite série française de rouilleurs là. Planqueur. Tu aimes des séries françaises, toi? Bah ouais. Ça lie romantisme, sexe, et il y a Sabrina Ouazani dedans en plus. Ah, Sabrina. Avec elle, tu veux ton plan cul ou ton plan cœur? Ah, tu mal. Franchement, avec elle, tu vois, tu me relances sur les meufs? Aïe, pardon, l'habitude du mal. C'est quoi l'actualité, là? Bah tiens, la politique. Ah, et qu'est-ce que t'as à dire sur les politiciens, les politiciennes? Franchement, en ce moment, c'est la joue plutôt politicienne, je te dirais. Ah ouais. Qu'est-ce t'en dis, toi? Sale. Bien engagé. Franchement, il y a tellement à dire sur la politique. Mais c'est quoi, on va faire simple. Ah ouais, tu prends des gens qui sont déconnectés du peuple pour diriger le peuple. Tu prends des gens qui vivent au-dessus du seuil de richesse pour dire à ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté comment ils doivent faire, comment ils doivent survivre, s'en sortir et tout. Mais tu sais, casse-qui, en plus avec un casier judiciaire, tu peux pas être avocat, défendre la loi et tout. Et par contre, tu peux en créer des lois. Tu peux être à l'Assemblée, au Parlement, etc. Faire le beau, débattre. En fait, c'est quoi la politique? C'est vraiment te faire diriger par des gens qui sont à l'opposé de ce que tu vis. Regardez, tout bête. Genre,
c'est des vieux gros porcs à cheveux blancs qui font des lois soi-disant pour des jeunes femmes. Alors qu'ils sont tous accusés de viol. Ça a du sens, ça ? Eh mais vas-y, vous parlez que de sujets qui me foutent la mort aussi, après vous dites que je suis rabat-joie. Eh ben on parle d'un sujet plus joyeux alors. Bah ouais, ouais. On parle des flics. On parle des flics. Tes potes.